Donc voilà, bonjour, bonjour YouTube. J'avais dit, hein, maintenant j'ouvre les boosters en live et de temps en temps il y aura une rediffusion sur YouTube. Les survivants sauvages, j'ai pris 5 boosters. En vrai, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dedans si ce n'est le support burger affamé. J'avoue pas trop avoir suivi s'il y a des choses bien, s'il n'y a pas des trucs de ouf ou autre. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. On va en ouvrir du coup un petit pour commencer. Puis on va voir. On va voir si on a, des choses cool ou pas. Putain, j'ai pris trop l'habitude d'ouvrir comme Pokémon. Ah, attendez, on va en ouvrir. Je sais pourquoi je vais en ouvrir un bien. Je suis en train de refaire mon cadre avec tous les boosters. Bon, bah, ouais. On va dire qu'il est bien. Je suis en train de refaire du coup tout mon cadre avec les boosters à l'intérieur. Et je pense. Bon, moi, celui-là, c'est foutu. Alors. On commence avec un petit Givrosaur. C'est une réédition ça. C'est pas la première fois qu'on l'a le Givrosaur. C'était dans quoi déjà qui était sorti lui? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus dans quoi il était sorti le Givrosaur. Hello du coup à ceux qui arrivent. Hello Papikawa. J'ai vu que t'étais sur le live d'Obscu juste avant. Me semble. Parce que t'es avec Obscu je crois. J'ai raté le début. Non je commence. J'ai pris que 5 boosters. On va s'ouvrir 5 petits boosters. J'essaye de voir pourquoi la cam... Est-ce que c'est pas moi l'éclairage? Ouais, c'est mon éclairage. Parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo... Enfin, au début du live, pardon. J'ai fait un peu n'importe quoi avec l'éclairage. Donc, j'espère que ça va aller. Du coup, le Givrosaur qu'on a déjà vu un nombre incalculable de fois. Que j'ai eu en beaucoup d'exemplaires. Mais je sais plus dans quelle extension. Je m'en rappelle plus. Donc, voilà. Le Givrosaur un peu OZF. Oh, Zerkonbi, ça, c'est cool. Il ne peut en y avoir qu'un. Zerkonbi Only One. Je sais même pas que c'était réédité du coup dans ce booster là, les survivants machin là, les survivants sauvages, j'ai même pas retenu le nom du truc. Zerkonbi Only One, why not? C'est sympa en vrai d'avoir un Zerkonbi. Après, chaque jour ne peut contrer qu'un type de monstre. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore joué? Tiens, un collector. Pourquoi un collector? Ah, j'aimerais bien choper un collector, bonjour Mana. Zerkonbi, allez, on continue. Oh, Divernosaur, ok. Pour les decks dino, bien sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents parce que beaucoup cherchent le deck dino. Givrosaur, c'est une extension 2008-2009. Ah bon? Il avait pas réédité il y a pas longtemps, la politesse d'abord. Mais bien sûr, Mana, bien sûr. Donc, le petit Divernosaur qui est joué dans les decks dino, hein, faut être honnête. Du Evolzar Soldat. Donc, ok, donc c'est que. On a que du coup des rares. Et j'espère du coup choper dedans la collector. J'y crois pas, mais on va voir. Evolzar Soldat. Ok, deux monstres Xyz, deux monstres dinosaures. Donc pareil, ça se joue du coup avec les dinos. Je crois qu'on peut détacher. Ouais, c'est en détache et on détruit un monstre. Monde perdu. Alors ça, c'est le terrain pour dino. Ça fait des jetons, si je ne dis pas de bêtises. Je vite fait un souvenir. Salut, Shlock. Je joue pas dino, donc Mana en a topé 5 sur la chaîne d'Obscu. Ouais, mais en même temps, attends, combien de boosters aussi avec les boîtes. Préparation des rites, ajoutez un monstre rituel de maximum niveau 7 depuis votre deck à votre main, puis vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Ah, pas mal pour les decks rituels. Après, parce que je joue pas trop de rituels. C'est une super avec la recette de poisson. Pour jeu rituel poisson, j'imagine. Alors, cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel nouvel. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Puis si vous invoquez rituellement... C'est... Quel monstre? Quoi? Buiriabez. Ah, c'est un genre... Ah, c'est pas dans celui-là qu'ils ont fait des noms d'aliments? C'est pas dans cette extension-là? Donc c'est vrai, un jeu de mots avec Buiriabez. Donc Buiriabez. De nouvelles. On applique cet effet. Du coup, on ajoute une magie rituelle recette. Recette de poisson exclue. Ok. Anecdote, la carte est censurée, devine quoi? J'ai pas. J'imagine que de base c'est un décolleté, c'est pas une cravate, non? C'est dommage, elle est choupie la carte. Bon, mais voilà, on a une petite super. On va y aller mollo, hein. on va s'ouvrir les boosters tranquillou. J'ai dit, c'est un live pop-up. On va essayer de l'ouvrir bien pour terminer le cadre. Ça me gave. Bon, ce sera pas celui-là qu'on va revenir. C'est moi où les boosters ils ont mis une nouvelle colle. Et qui fait que c'est beaucoup plus dur d'ouvrir comme je l'ouvrais de base. Recette spéciale du chef. En plus, en ce moment, je regarde Food Wars. Donc, c'est assez rigolo.
Il y a un petit air. Oh, il ressemble quand même pas mal à Shanks en vrai, mais. De One Piece, mais. Lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre rituel nouvel, annule l'activation si vous le faites détruisez la carte. En plus, c'est une contre-piège, donc en fait, c'est à partir du moment où. C'est pour contrer quoi, c'est pas mal. Annule l'activation, détruisez, ouais. Invoqué spécialement par l'effet d'un monstre nouvel. Si vous invoquez spécialement Burger Affamé, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, sacrifier autant de monstres contrés par votre adversaire que possible. C'est pas dégueu hein, en vrai, hein, ça donne beaucoup de support. Non, les bouteilles c'est du vinaigre ici alors qu'en CG c'est du. Sérieux? Ah! Effectivement, c'est une petite vinaigrette de l'huile et compagnie. Effectivement, papy, effectivement. Bon, une petite recette spéciale du chef. C'est pas dégueu. Alors, Transcendosaur Persigatus. Ah, il est classe. J'arrive pas à savoir si il est où le cucu, il est où la tête là-dedans, mais je dirais la tête, c'est ça, c'est les deux trucs, et donc du coup, c'est deux têtes, ou alors c'est les trois trucs en bas, ou alors c'est cinq têtes. J'avoue, j'ai du mal. Voilà, la tête est là, et là, ça fait deux petites ailes au-dessus, avec deux perforoses au bout des ailes. J'en ai aucune idée. Mais c'est con parce que c'est classe. Donc, combien de monstres de niveau 6? Bon, c'est dinosaure, hein, ça joue avec dino, je pense. Alors, quel est l'effet de cette carte? Tant que cette carte n'a pas de matériel, si elle combat un monstre, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. Ah, donc le but c'est de retirer rapidement les matériels de cette carte. Ok. Waouh, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Attendez, je vais baisser légèrement la cam comme je me baisse un peu. Tac. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis ciblez un de vos monstres dinosaures bannis, invoquez-le spécialement. Cette carte est détruite, vous pouvez mélanger un monstre normal depuis votre cimetière dans le deck. Ok, putain, ils ont. Il y a des nouveaux trucs pour Dino. Et. Oh, roi véritable. Litho. Putain. Lithozajim, le désastre. Cette carte dans votre main, vous pouvez détruire deux autres monstres dans votre main ou terrain face recto. Un monstre terre inclus. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Et si vous le faites, c'est un Wyrm. Ok. Je sais pas que c'est. Donc si on le fait, oui, pardon. Si vous faites ça et que les deux monstres détruits étaient terre, vous pouvez aussi regarder l'extra de votre adversaire et en bannir trois monstres de noms différents. Cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non terre Wyrm depuis. Ah, en vrai, elle est pas dégueu, hein. Elle est très belle en plus. Là, je vois la tête-tête. Là, je vois la tête-tête. Non, elle est classe. J'essaie de l'avancer. Elle est jolie, hein. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Rex le géant, bon celle-ci est hyper connue, elle était même sortie en speed duel. Du coup c'est cool qu'elle soit rééditée en master. En side dans Dino ou SHS. Ouais, moi je pensais plutôt à SHS, tu vois. Un petit Tovi, ça c'est cool. Ça c'était sorti dans les Tin Box, je crois, ils avaient sorti. Les Ovi. Bon après c'est sorti plusieurs fois, je crois. Certes, ok, non, spécialement, bon, on connaît, je vais pas lire, c'est pas nouveau pour moi. En chercheur de fossiles, pareil, en tuto, un Dino de maximum niveau 6. Et. Ah! Baïgri de nouvelles. Ok, donc monstre super, le nouveau rituel pour le gris. Pour la cuisine. Et en vrai, c'est sympa. Moi, c'est juste pour ça, c'est pour le truc cuisine que je prends ça. Alors, beaucoup de gens vont l'acheter pour le support dino. Moi, le support dino, un peu osef pour l'instant. J'avoue, je m'en fous un peu. J'ai pas encore prévu de me faire un deck dino. Ah, je l'ai fait. J'ai réussi à l'ouvrir comme ça, on va voir si on va réussir à aller jusqu'au bout. Nice. On se spoil pas la première carte. Et let's go! Les incantations, ça commence. Alors c'est lequel celui-là, je le connais pas par cœur. C'est Boupé. Ouais parce que. Alors, est-ce que c'est une faute de frappe ou est-ce que c'est voulu qui s'appelle Boupé et pas Poupée, lutte incantation? Je sais pas, Vanquish acheté de mon côté chez notre ami Obscu. C'est vrai, tu veux pour du Vanquish toi que tu voulais, papy? Ok. Why not, hein? Bon, bah, c'est pas nouveau, je pense. Je pense qu'elle est pas nouvelle, je sais pas. Je connais pas lutte incantation, donc je connais pas du tout. Vous révélez une magie rituelle dans votre main, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, ainsi qu'un monstre lutte incantation depuis votre deck. Cette carte est invoquée spécialement depuis le deck. Vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets uniquement une fois par. À nouveau, on a. On a Shanks qui cuisine. En vrai, elle est classe là. Il y a vraiment un côté Food Wars, un côté animé. J'aime bien. Eh, hey, l'étoile qu'il a sur le truc, c'est pas l'alien. On dirait l'étoile le lien. Bon, tu as des petites ailes, ça se voit qu'il est démoniaque du coup. Pilule d'évolution double. Une petite pilule d'évolution. Ok. Ah. Trans.
Transcendosaur à nouveau qu'on a déjà eu. Oh, le Tyranno Ultime Conducteur, ça c'est cool. Jouer dans Dino, hein, donc c'est cool. Je vais pas cracher dessus. En vrai, ce pouvoir, avec toutes les autres cartes Dino que j'ai, je pourrais build un deck Dino. Formation de feu Tenki. Bon, ça c'est recherché pour les monstres bêtes guerriers. C'était pour quel deck c'est que c'était juste. C'était pas pour Zodiac. Il me semble que c'était pour Zodiac que c'était énormément joué. Attends que Zodiac est plus trop là, voilà. Mais j'aimerais que Zodiac revienne, c'était sympa Zodiac. Bon, même si pour beaucoup c'était l'enfer, j'ai toujours trouvé la mécanique et le système rigolo. Et derrière nous avons Xeno Météo. Alors c'est à nouveau une super. Un peu une ultra quoi. Xeno Météor. Alors que fait ce petit dino? Si nous plusieurs cartes sont détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main de phase, vous pouvez détruire un monstre dinosaure dans votre main ou sur votre terrain, puis invoquer spécialement un monstre normal. Ça se joue beaucoup avec les monstres normaux, du coup, faudrait avoir des monstres. D'où l'importance d'avoir Givrosaur, là, qu'on a eu tout au départ, là. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, les dinos, de toute façon, je pense que Dino va revenir. Après, comme d'hab, je vais en croiser au CDF, à mon avis. C'est lequel que j'ai ouvert? C'est l'univers, c'est celui-là. Celui-là, faut que je le mette de côté. Bon, maintenant, Barlicou. On s'ouvre ça. Allez, la secrète, j'y crois pas, mais. Oh, ok. Ah, je crois que c'était une barrière de glace, mais non. Transcendosaur, Glaciosaur. Je connais pas non plus. Synchro. Niveau combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Synchro, 12. Flemme de lire. Honnêtement, flemme de lire. Mais sympa. Pas dégueu, quoi. Divernosaur, du coup, qu'on a déjà eu. Rex le géant, qu'on a déjà eu. Invitation des ténèbres. Bon, qui est hyper connu. On pioche deux cartes. On bannit un monstre ténèbre depuis la main. Ou alors, on défausse toute la main. Oh, un petit virus. Destruction de deck. Sacrifier un monstre ténèbre avec minimum 2000 attaques à la main de votre adversaire. Tous les monstres qu'il contrôle. Toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son troisième tour après activation de cette carte. Et détruisez ces monstres avec maximum 1500. Ça peut être très. Aujourd'hui, c'est trop dangereux de jouer ça. Divernosaur permet tellement de faire des trucs de fou avec Dino. Bah ouais! C'est pour ça que c'est cool quoi. Des petits divers. Là, c'est mon deuxième. Donc ça, c'est cool. Ok, donc le petit jaune. Ah, super envol! Ça, c'est nouveau pour moi. C'est bien un monstre dinosaure qui est banni. Bah, d'où le principe tout à l'heure de bannir avec les X's en fait. Invoquez spécialement sur votre terrain. Oh, ça va se jouer vachement avec les bannissements du coup. Point Xeno! Ça y est, première ultra! Ouais, c'est une ultra. Dommage, on aurait pu avoir une secrète. C'est une ultra, c'est cool. Je vais pas cracher dessus. Alors, les rigolotes, par contre, le dinosaure fait très Digimon dans son style. Ajoutez un synthoniseur dinosaure ou un monstre normal dinosaure avec votre deck à votre main, puis détruisez une carte dans votre main. Détruisez une carte dans votre main. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer par fusion un monstre fusion dinosaure depuis votre extra deck en utilisant les monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. En vrai. Il y avait pas, il y avait des dinosaures, je regarde ça après l'ouverture, mais dans mon classeur j'ai des fusions de dinosaures, je me demande si ça va pas avec, c'était pas quoi, Dinomorphia? Je sais plus, il y avait un truc comme ça. Hein. Allez, c'est le dernier. J'ai dit, hein, c'est une petite ouverture. Au calme. Ah, recette de hamburger. Ça c'est parti, ça c'est... C'est bon ça. Ça c'est très très bon ça, parce que c'est pour faire à manger. Moi j'aime bien faire à manger. J'ai même mangé. Coucou, il y a ma chérie qui est là. Que la chance soit avec toi. Merci. Bah, du coup, la recette d'un burger, on va prier pour choper le burger affamé. À nouveau, on a Soma. Enfin, Shanks qui cuisine. J'ai en fois 3 celle-là. J'ai de quoi. En plus, j'avais envie. Alors, j'avais vraiment énormément envie de faire un mini Yugi en épisode sur le burger affamé. Problème, il n'y avait pas de support. Et là, ça y est, il y a un petit peu de support, mais c'est pas du support pour le burger fan, mais c'est du support pour faire un deck cuisine. Après le deck sushi, on a le deck cuisine, quoi. Donc bon. Allez, on continue. Ah, recette du personnel. Chut, avec la petite fumée. C'est quoi? Ah, c'est pas un des monstres qui est possible à avoir dans l'artwork? Ok. Possible un monstre rituel que vous contrôlez, invoquer spécialement un jeton nouvelle. Oui, c'est pas ça nouvelle, parce que nouvelle recette, ouais. Ténèbres, un 50-50. Oh, putain, chelou ça. Le niveau de ce jeton devient le même que celui du monstre. Ok, donc du monstre rituel, ça marche. Vous pouvez envoyer cette carte face recto. Ok, depuis votre zone magie piège au cimetière. Et on invoque rituellement un monstre rituel nouvelle depuis la main en sacrifiant des monstres depuis notre main ou terrain dont le niveau total était. Ah, c'est cool! En vrai, c'est cool.
C'est un booster Food Wars. Non, c'est ça en fait, ils ont sorti un truc Food Wars. Bon, à nouveau le transcendant Glaciosaur qu'on a déjà eu. Le Tyran Ultime qu'on a aussi déjà eu. Et derrière. Ah non, il y en a encore une autre. Oh, on se spoil pas, mais je crois pas que ce soit quelque chose de fou. Du coup, on a eu Buiri. Ah, ça y est, on l'a enfin, Bouillabaisse. Buriyabaisse. Baisse, pardon. De nouvelles. Bah, c'est lui qui est en ombre. En ombre. C'est l'ombre qu'on voit là. De cette bestiole là, non? Ah, c'est pas les mêmes. Ah, quoi que si, c'est peut-être la même. Ok, donc est-ce que c'est lui qui est fort du coup? Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez dévoiler les 5 cartes de dessus du deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter. Ok, on ajoute une main. Longer le reste dans le deck. Alors, ouais, ok. Lorsque une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et un monstre en plus en attaque sur l'un des terrains. Ça, c'est cool. Et si vous le faites, invoquer spécialement monstre rituel nouvelle de niveau 2 ou 3 du. Ouais, c'est pas mal. Bon, par contre, il faut qu'elle soit ciblée par une attaque, du coup. Lorsque une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé. Donc, c'est à l'activation. Ok. Et derrière, nous avons la recette de poisson. Nous avons un doublon. Bon, une ultra sur 5 boosters. C'est pas très fameux. Je sais pas si je peux pouvoir passer. Ouais, c'est bon. C'est pas très fameux. On a eu des trucs sympas, mais... Mais on a, c'est cool pour fabriquer un. Pour build un deck Food Wars et du Tyranno. Mais c'est pas mal. En vrai, une ultra pour 5 boosters. Je m'attendais pas non plus à choper une secrète ou. C'est quoi dedans tout à l'heure? Vous m'avez dit, c'est une collector, je crois, qui était à choper. Mais voilà. Je suis quand même assez content.